monde, bienvenue sur ma chaîne. J'ai plusieurs choses qui se sont passées cette semaine. J'ai pas fait de vidéo comme j'aurais voulu. Je vous avais dit la dernière fois que je ferais un tutoriel sur un kit plus gros d'un bébé toddler, plus vieux si on veut. Aussi sur le vinyle foncé allemand, comment neutraliser. Le kit que je devais utiliser pour ça, je ne l'ai pas reçu. La compagnie a dit qu'ils ne savaient pas où il était, il avait déménagé et ils ne retrouvaient plus les kits, etc. J'ai été remboursée, mais quand même, j'ai pas pu recevoir le kit que je voulais. Mais j'ai quand même commandé sur Bountiful Baby le petit June qui a 7 mois. C'est un real born, c'est-à-dire c'est un kit qui est créé à partir du scan d'un vrai bébé. Dans ce cas-ci, c'est une petite fille de 7 mois. Donc, elle est assez grosse. Je dirais, je vais vous montrer ses jambes-là. Ça, c'est sa grosse cuisse, là. C'est un gros bébé, fait que je vais vous montrer quand même avec celle-là. Ça va revenir aux mains. Donc, ça, cette semaine, j'ai brisé ma machine à coudre, j'ai été obligée d'en commander une autre parce que j'avais des commandes de corps à faire puis je pouvais pas les faire, ma machine a brisé, faut que je l'envoie faire réparer. En attendant, j'ai dû acheter une nouvelle machine. Ma fille est tombée malade, elle a eu la gastro, ça a pas été vraiment le fun. J'ai perdu mon chat, mon petit chat roux. Il est parti à un moment donné, puis il est pas revenu, ça fait plus d'une semaine, ça fait une semaine et demie. Il est toujours pas revenu, donc j'ai bien l'impression qu'il s'est fait frapper, malheureusement. Ça nous a fait beaucoup, beaucoup de peine, ça a été assez difficile, parce que c'était un petit chat qui était tout le temps collé sur moi. Il me suivait partout, il se couchait sur mes genoux, il participait à mes séances photos avec les poupées. Donc ça a été... c'est encore très difficile parce qu'on ne sait pas ce qui est arrivé. Donc, on ne saura jamais non plus ce qui est arrivé. Puis ça, ben, c'est un petit peu dur. Mais bon, j'ai la peinture, j'ai mes bébés. Donc, ça peut aller. On fait ce qu'on peut. Donc, j'ai positionné ma caméra différemment cette fois-ci. J'espère être capable de bien montrer cette fois sans être trop hors-champ. J'ai toujours un petit peu de misère avec la lumière. C'est pas évident d'avoir l'éclairage comme il faut où on veut pour montrer les vraies couleurs, mais je pense que c'est quand même assez vrai là, ce que vous voyez à l'écran. Là, c'est pas mal les vraies couleurs. Donc voilà, on va commencer à peindre cette petite. En même temps, elle a les yeux ouverts, donc on va pouvoir montrer comment on peint les paupières, là, les yeux ouverts. Donc on commence, on a nettoyé naturellement notre kit avec du savon à vaisselle. J'utilise le Dawn, c'est celui que je trouve qui fonctionne le mieux pour enlever les taches de graisse. Donc on l'a bien frotté, on l'a bien rincé. Il est sec, donc on peut commencer avec une couche d'après. Comme j'avais dit dans mes précédents tutoriels, moi j'utilise ça ici, c'est pour l'adhésion de la peinture. Ça fonctionne bien. Sinon, si vous avez pas ce produit-là, je sais que MacPherson vend un excellent primer. Je pense qu'il me reste ici. Il m'en reste plus beaucoup, là, c'est pour ça que je ne peux pas l'utiliser pour cette poupée-là. Donc, comme c'est un gros bébé, ça va vous prendre quand même des bonnes quantités de primer, de peinture. Ça va vous prendre des bons bras aussi. Donc, j'espère que vous avez... j'ai un petit peu d'eau dedans. J'espère que vous avez des bons bras. Parce que ça va en prendre pour tapoter tout ça. Donc, on peut y aller au pinceau. Moi, pour mon primer, j'aime bien utiliser l'éponge aussi. Puis je vais utiliser le pinceau pour les endroits, le creux des oreilles ou la bouche, le nez, ces choses-là. Mais là, comme j'ai une grosse surface à faire, je vais y aller directement à l'éponge. Ça va m'éviter de le faire deux fois, une fois au pinceau, puis après repasser à l'éponge.
Donc, on tapote notre primer comme on ferait pour la peinture. On essaie de l'étaler le plus possible partout. C'est pas nécessaire d'en mettre très épais. L'important, c'est qu'il y en ait bien partout, qu'il soit distribué également. On essaie de pas oublier de coins parce que ça va paraître quand on va faire notre peinture qu'il y a des coins qu'il n'y en a pas. Donc, je vous laisse. Bon, j'ai encore la misère avec mon zoom. Je vais essayer de régler ça. Je vous laisse terminer l'étape du primer. Puis, je vais commencer ensuite avec les premières couches de peinture. Vous allez voir un gros bébé. C'est un petit peu différent d'un nouveau-né. Les couleurs sont beaucoup moins intenses. On fait beaucoup moins de détails de mottling. Les marbrures, là. Même les replis, les creases sont un petit peu moins fortes. Donc, je vais tout vous montrer ça, vous allez voir, mais c'est quand même assez facile malgré que c'est long puis que c'est dur sur les bras. Bon, donc on a fini notre primer, notre couche de fond. On va maintenant commencer à appliquer la couleur. Je ne sais pas si vous avez vu mes premiers tutoriels, mais on va faire à peu près la même chose, c'est-à-dire que on va donner une couche de rouge, une couche de bleu, puis une couche de jaune. C'est ce que je fais toujours. Moi, je fonctionne avec une méthode de couleur primaire adaptée un petit peu, c'est-à-dire que je vais utiliser quand même parfois des couleurs déjà comme du brun par exemple que je vais utiliser. Je vais des fois mélanger des couleurs pour en obtenir d'autres là. Mais à la base, là, ce que je fais pour obtenir la couleur de la peau, c'est vraiment rouge, jaune, bleu. Donc, on va commencer avec le rouge, si je trouve mon rouge ici. Donc, comme je vous ai dit tantôt, ça prend un petit peu plus de peinture qu'un nouveau-né. Donc, les quantités qu'on va préparer vont être un petit peu plus importantes. Donc, je vais y aller avec 3 gouttes de rouge. Contrairement à une quand je fais un nouveau-né, là. Je vais rajouter mon médium. À peu près 3 pelletés, si on veut. Je vais mélanger ça. Puis je vais rajouter de l'eau jusqu'à ce que j'ai la transparence que je souhaite. On essaie de ne pas rajouter plus que 25% d'eau. Si c'est pas assez, si c'est trop foncé, c'est pas assez transparent, on va rajouter un peu de médium à la place de rajouter trop d'eau. C'est normal que la peinture ait une texture plus liquide, là. Ça devrait être un petit peu comme du lait crémé, admettons, comme texture. C'est-à-dire pas liquide, pas clair comme de l'eau, mais une texture un petit peu laiteuse. On peut tester notre couleur sur un bocal en verre. On va s'assurer que c'est transparent. Comme vous voyez, j'ai pas de marque. Là, on voit à travers. Moi, ce que j'aime faire, par contre, c'est de tester sur un essuie-tout. Comme ça, pour moi, ça me semble correct. C'est assez transparent. Un peu rouge, mais ça devrait bien aller quand même. Donc, je pense que je vais prendre une nouvelle éponge. Ça consomme beaucoup d'éponges, la peinture acrylique. Contrairement à la peinture Genesis, où est-ce qu'on peut nettoyer et réutiliser nos éponges, la peinture acrylique, ce qui arrive, c'est que tout le tour de l'éponge, la peinture sèche autour pendant qu'on l'utilise, puis à un moment donné, ça fait une croûte, puis là, on peut plus l'utiliser. Donc, on consomme quand même pas mal d'éponge. Donc, j'enlève la partie... j'ai la misère à trouver ma caméra. On enlève la partie du dessus pour faire un peu de texture. C'est pas nécessaire, mais ce que vous pouvez faire, c'est enlever juste le tour pour éviter qu'il y ait des bords
qu'on voit moins les bords. Donc, là, j'ai pas le rhume présentement. Dieu merci, le rhume est passé. Par contre, j'ai encore des allergies. J'ai l'impression que la chute des feuilles ne m'a pas aidé. C'est des allergies assez sévères. C'est quasiment pire qu'au printemps. J'ai éternu, je tousse, j'ai le nez bouché. Je pense que ça va me suivre pendant un petit bout. J'ai rendez-vous chez un allergologue, mais comme mon médecin m'a dit, ça peut prendre jusqu'à un an avant qu'il vienne dans le coin. Fait que je peux attendre longtemps. Ça ici, puis je vais. Donc, on commence à l'arrière. C'est plus facile si on n'a pas la bonne couleur de corriger ensuite. Ou de toute façon, avec des cheveux, ça paraîtra pas. Parce que naturellement, un bébé de cet âge-là, comme elle a 7 mois, pourrait passer pour un bébé d'un an parce qu'elle est assez dodue. Ça a des cheveux, là. C'est un minimum de cheveux toujours. Là. C'est rare à cet âge-là qu'un bébé, même qui est né pas de cheveux, va rester pas de cheveux rendu un an. Là. Fait que c'est clair qu'on va lui faire des cheveux. Là. Un bébé gros comme ça, chauve, c'est pas. C'est moins naturel. Je veux dire, ça peut arriver, là. Comme moi, mon fils, il a commencé à avoir vraiment des cheveux. Il avait quasiment 2-3 ans. Mais non, il avait quand même du duvet, là. Fait que je l'étends bien partout. J'essaie de pas repasser trop souvent au même endroit. Puis j'essaie de pas faire de démarcation non plus. À ce stade-ci, vous devriez voir le rouge, mais pas nécessairement un gros rouge. Ça devrait être une teinte très rosée, très pâle. Si vraiment c'est très rouge, parce que votre peinture est pas assez diluée. Je vais faire tous les coins que je peux atteindre avec mon éponge, puis après je passerai avec le pinceau pour faire les détails des endroits où c'est plus difficile, là, en arrière des oreilles, puis à l'intérieur des oreilles, entre autres, là. Fait que là, ce que je fais après, j'essuie mon pinceau. Je veux pas avoir trop de peinture. Je veux pas que ça dégouline partout, là. Puis je vais venir travailler un petit peu à l'intérieur de l'oreille, en mettre vraiment partout. Puis vous allez remarquer, avec la peinture acrylique, ce qui arrive, en fait, c'est que c'est pas tant qu'on peint un kit, c'est qu'on le teint. Parce que la peinture qui reste... On enlève le surplus de peinture avec une éponge qui reste vraiment quasiment de teinture, là. Il reste presque plus de peinture, là. Donc, je suis venue faire tous les petits endroits où c'est plus difficile d'accès avec l'éponge. J'enlève le surplus quand même avec mon éponge. Puis ensuite, je vais prendre un pinceau fluffy un petit peu, là. Une mop, là. Un mop brush, là, comme on dit, là. Puis on va venir tapoter pour enlever les excès. On s'assure de ne pas laisser de blob de peinture, de gouttes de peinture. On essaie de vraiment regarder partout. C'est une étape assez cruciale. Il faut vraiment faire attention parce qu'une fois que la peinture est sèche, elle est sèche. On ne peut plus vraiment l'enlever. À ce stade-ci, c'est moins grave parce qu'on n'a pas encore fait beaucoup de travail. Mais quand on arrive vers la fin et qu'on se rend compte qu'il y a une goutte de peinture qui a coulé quelque part et qui a séché là, c'est un petit peu frustrant. Donc, dans les replis aussi, on s'assure qu'il y a... qu'il n'y a pas de goutte de peinture, mais qu'on a quand même appliqué à cet endroit-là. Ici, elle a un gros coup, là. Je vais en mettre au pinceau. Je vais l'étendre un peu. Ça, c'est le fun, là, quand c'est excitant, là, quand on est rendu à mettre la couleur, là, parce que c'est long le processus de toute la ville kit, laisser sécher ou le sécher. Ensuite, on met le primer, on se prépare, on prépare nos pinceaux, notre peinture, tout ça, c'est long. Puis là, on a hâte de voir apparaître la couleur. C'est ce qui fait aussi qu'on fait nos premières erreurs de débutant. On est tellement pressé de voir des changements apparaître qu'on a tendance à mettre notre peinture trop épaisse, pas assez diluée, nos couleurs trop fortes. Puis là, on se retrouve avec un bébé qui va être vraiment beaucoup trop rouge ou trop bleu ou trop jaune, peu importe, ça va être difficile après à corriger. Donc, il faut vraiment, vraiment être patient. Vous ne verrez pas des gros changements tout de suite.
Là, je sais pas si vous voyez vraiment la couleur, la différence de couleur. On la voit presque pas. En arrière, ici, c'est rouge, mais en avant, c'est encore blanc. Ça paraît pas beaucoup parce que ma couleur est pas très forte. Ça, c'est bien, c'est excitant de commencer tout ça, mais il faut vraiment y aller doucement pour être sûr de pas mettre nos couleurs trop foncées. C'est souvent ça qu'on va remarquer, un bébé qui est pas de qualité, c'est-à-dire qui est fait par un débutant. Ça veut dire que tous les débutants font pas de la qualité, là, c'est pas ça que je veux dire, là. Ne prenez-vous pas. C'est dur d'essayer des fois d'exprimer ce qu'on veut dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on va remarquer un bébé, quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir des croûtes de peinture. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ça sera pas lisse et transparent. On va voir l'épaisseur de peinture qu'il y a dessus. On voit souvent au niveau des mains et des pieds, dans les craques, dans les joints, là. Dans les creases. Non, je prends ma caméra. Bon. Dans les creases, c'est là qu'on va voir une accumulation de peinture. Souvent, on va voir c'est blanchâtre ou c'est épais. Ça donnera pas le beau résultat. Donc, il faut vraiment y aller doucement, prendre notre temps. Puis faire des couches très minces. Ça paraît long, on voit pas tout de suite de changement. Mais ça va venir à la fin, vous allez voir, ça va paraître, là. N'oublie pas d'enlever les petits poils qu'on voit à mesure. Donc là, j'ai terminé ma tête, je vais faire les membres, puis après, je vous reviens pour la deuxième couleur. On a terminé avec le rouge. Je vais maintenant passer à une couche de bleu. C'est assez répétitif, donc je vais pas. C'est pour ça que je vous montre pas tout au complet, là, moi en train de peindre tous les membres un par un, parce que ça va faire des vidéos de 3 heures, là. C'est toujours la même chose qu'on fait, c'est juste la couleur qui change. À la suite de nos 3 couches de base, là, on va commencer à faire les détails plus intéressants comme les veines, puis les replis, les creases. Un petit peu de mottling, pas beaucoup parce que c'est un bébé plus vieux, comme je disais tantôt. Mais là, pour l'instant, là, ce qu'on fait, c'est à peu près toujours la même chose, juste la couleur qui change. Donc, je vais donner une couche de bleu. Donc, encore une fois, je vais mélanger à peu près la même quantité de peinture. Vous voyez qu'il m'en reste quand même assez, mais c'est parce que je vais la réutiliser tout à l'heure. Donc, 3 gouttes de peinture. Quand je disais tantôt, ça prend beaucoup de peinture, on s'entend, hein? 3 gouttes, c'est pas la mer à boire, là. C'est pas beaucoup. C'est juste la quantité finale que ça donne avec l'eau. Ah, j'ai un téléphone. Excusez. Bon, je suis désolée, j'ai été interrompue par un petit coup de téléphone. Donc, je vais continuer ce que je faisais. J'étais rendue à rajouter mon médium dans ma peinture. Donc, je vais avec trois pinceaux bien pleins. Ça, c'est juste à force d'expérimenter, hein, qu'on sait la quantité. Il existe, vous pouvez chercher en ligne, là, sur des forums, il existe des chartes, si on veut, des recettes, là. Personnellement, j'ai pas réussi à trouver quelque chose qui me plaisait. Mais c'est vraiment essai-erreur. Puis si vous n'êtes pas à l'aise, essayez avec des tests, des parties tests. Se commandent partout. Il y en a sur Macpherson, puis il y en a chez Bountiful Baby aussi. C'est des bras, des jambes, parfois des têtes. Puis ça coûte 3, 4, 5 piastres canadiens, peut-être 3 piastres américains, quelque chose comme ça. Puis vous avez une partie de vinyle que vous pouvez tester. Je vous recommande fortement de le faire parce que c'est comme ça qu'on va apprendre, puis ça vous permet d'éviter d'avoir à stripper votre kit. Parce que vous pouvez faire des essais sur plusieurs parties d'une pièce là, avant
qu'elle soit plus utilisable. À la limite, vous pouvez toujours la stripper puis recommencer à faire des tests sur la même partie, tandis qu'un kit, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, je montre mon bleu ici qui est assez pâle à mon goût. Je réutilise la même éponge. Pour la raison que je disais tantôt, c'est qu'autrement, elle va sécher et je ne pourrai plus l'utiliser. Donc, aussi bien continuer à l'utiliser tant que je peux. Puis, vous allez remarquer, mes doigts vont se tacher de plus en plus à mesure qu'on va peindre. Simplement parce que mon éponge, la peinture rentre à l'intérieur. Puis, ça vient tacher les doigts. Là. Ça vient tacher les doigts quand je la tiens comme ça. Là. Moi, ça me dérange pas tellement. C'est de la peinture acrylique. Ça se lave super bien. Là. Un petit peu d'eau, savon, et voilà. Faites juste attention, par exemple, si la peinture sur vos doigts est encore humide puis vous venez de tenir la pièce, ça peut tacher. Donc, je commence encore une fois à l'arrière de la tête. Ça me semble bien. Ce qui est particulier avec le bleu, vous allez voir, c'est que ça va vous donner l'impression de revenir un petit peu à la couleur originale. Ça va comme pâlir le rouge. C'est assez troublant au début. Mais j'aime bien parce que ça vient donner justement à la longue... On a été un petit peu lourd avec une couleur, puis ça vient donner une espèce d'effet de transparence que j'aime bien. Là. On va continuer comme ça. Par exemple, s'il y en a qui se questionnent sur mon doigt dégueulasse ici, là. C'est un accident que j'ai eu quand j'étais enceinte de mon premier, là, 11 ans. Je faisais du plancher de bois flottant, puis je coupais des morceaux, puis la cironde a sauté. J'ai essayé de la rattraper sans penser vraiment à mon affaire, là, sans lâcher le... La poignée, j'ai essayé de la rattraper, c'est niaiseux. Elle roulait plus, elle était sur son air d'aller, là, mais j'ai coupé le bout de mon doigt, comme ça. J'ai coupé le bout de l'os. Ils ont essayé de le rattacher, mais ça n'a pas fonctionné, il a fini par tomber. Donc, je me suis retrouvée avec une espèce de griffe au bout. Je suis chanceuse, par contre, parce que j'avais perdu quasiment tout mon ongle. J'étais chanceuse que finalement il restait assez de la racine de l'ongle pour repousser un ongle dessus. Parce que c'était coupé, là, il n'y avait presque plus d'ongle. Sauf que l'ongle pousse par-dessus mon doigt. C'est pas très joli à voir. Puis c'est pas un ongle normal non plus. Il est très très strié, rugueux, puis tout tache. C'est pour ça qu'il est comme plus jaune. Là. C'est pas parce que je le lave pas, là, c'est vraiment toute tache. Okay. Et ce couleur-là, il va rester ce couleur-là, puis peu importe ce que je vais faire. Je vais faire du jardinage, ou de la peinture, ou de la cuisine, peu importe. Puis ça tache longue, puis il n'y a plus rien qui part. C'est pas joli joli, mais bon, on vit avec. Je suis contente parce que j'ai pas perdu tout mon doigt. Seule chose qui m'embête et pourquoi je m'en sers pas beaucoup non plus, que j'utilise le plus souvent mon éponge de cette façon-là, c'est parce que j'ai perdu la sensibilité au bout de ce doigt-là aussi. C'est revenu un peu. Chanceux, c'est revenu un petit peu la sensibilité, mais ça reste un peu comme engourdi. Tu sais, quand on va chez le dentiste et qu'on est gelé, là, c'est à peu près la sensation que j'ai au bout de mon doigt. J'ai l'impression que mon doigt il est gelé par une anesthésie. Je le sens encore, mais comme tout engourdi. C'est particulier, là. Enfin, je m'en sers pas beaucoup parce que j'ai pas une bonne dextérité avec. C'est comme s'il était pas tout là, là. Puis je vous laisse imaginer les jokes que j'ai eus de la part des messieurs. Les femmes devraient jamais servir d'outils. Hein, c'est ça, t'aurais dû laisser ton chum faire ça.
Les femmes puis les outils, ça va pas ensemble, bla 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 bla. Vous regarderez autour de vous, voir la quantité de femmes, la quantité d'hommes, pardon, qui se sont fait couper un morceau par une scie, par une scie à chaîne, par un outil quelconque, en travaillant chez eux ou en travaillant dans une entreprise. Vous regarderez ça, voir pour le fun. J'y trouve pas mal, moi, les gars qui se moquent des femmes parce qu'ils se blessent avec un outil, ouais. Ils devraient s'en regarder un petit peu. Parce qu'il y en a plus qu'un qui a perdu un doigt puis poigné que le bout. Ils sont de même, les hommes. Selon eux, là, les femmes ne devraient pas rien faire. Faut qu'ils préservent leur territoire, si on veut. Les outils, c'est un domaine d'hommes. Les autos, c'est un domaine d'hommes, les autos. Les femmes ne devraient pas avoir touché à ça. Les femmes devraient rester dans la cuisine. Moi, j'ai fait assez de rénovations dans ma vie. J'ai touché à peu près tous les outils. C'est le seul accident qui m'est arrivé. Je vois pas pourquoi je devrais pas faire de réno si j'ai le goût. Je suis pas quelqu'un d'autre. Tu sais, oui, il y a des femmes qui sont pas bonnes à ça, qui aiment pas ça. Je connais pas mal d'hommes non plus qui sont pas très bons à ça pis qui aiment pas ça. Je connais des hommes super bons en cuisine pis des femmes pourries. Ils sont même pas capables de faire cuire un œuf. Je pense pas que c'est une question de sexe, là. J'ai fait mon mélange de jaune de la même façon que j'ai fait les deux autres. J'utilise pas le jaune primaire, j'utilise plutôt du jaune ocre. Je préfère le résultat que ça donne avec pour la couleur de la peau. Ça, la différence, c'est celui-là ici, c'est le jaune primaire, puis celui-là, le jaune ocre. Vous voyez qu'il est un petit peu plus foncé que lui. Je vais me servir du jaune primaire souvent juste pour faire les sous-couches. Il appelle ça en anglais les undertones, là. Sur le nez, les sourcils, le menton. Autrement, je me sers du jaune ocre pour la peau. J'ai déjà fait, là, je suis rendue à ma dernière jambe. Parce que vous allez voir une différence à cause de la luminosité, là. Ça, la jambe, elle n'a pas de jaune encore. La tête en a. Donc, c'est sûr qu'à ce stade-ci, on ne voit pas une énorme différence encore avec la couleur vinyle naturelle. Là. Ça va venir tranquillement. Une fois qu'on va terminer la jambe, on va faire les sous-couches de peau, là, les fameux undertones. Puis pour le reste, ça va aller dans une seconde partie. Parce que je pense que déjà là, on a quand même un tutoriel qui dure assez longtemps. Je ne vais pas faire des vidéos de 2 heures non plus pour rien. Premièrement, parce qu'à un moment donné, on perd un peu le focus. Puis deuxièmement, c'est parce que ce qui arrive, c'est que c'est excessivement long à éditer puis à mettre en ligne. Ça prend beaucoup de temps. Donc, en faisant plusieurs plus petites parties, c'est un petit peu plus facile pour moi, là. Pour vous aussi, parce que si vous ne voulez pas nécessairement suivre, par exemple, cette partie-là où je fais juste appliquer la couleur de base, parce que vous savez déjà, mais vous voulez avoir plus d'informations, par exemple, sur le modeling, ça vous permet de sauter directement à la partie qui vous intéresse le plus. Donc, j'utilise encore la même éponge, quoique là, elle achève, elle montre des signes de fatigue, là. Je m'en rends compte parce qu'elle absorbe plus, puis parce qu'elle devient vraiment molle, là, puis difficile à manipuler. Puis elle absorbe plus la peinture.
comme il faut, là. Ce que vous allez remarquer, surtout avec la méthode de l'éponge, si vous y allez au pinceau, vous allez peut-être moins le remarquer, ça va peut-être moins le faire. Mais avec la technique de l'éponge comme je fais là, ce qui va arriver, c'est que vous allez vous apercevoir que la peau a déjà comme des marbrures, là où la peinture n'a pas été appliquée de façon égale ou uniforme. C'est très difficile d'appliquer la peinture de façon uniforme avec l'acrylique. Il y a vraiment des endroits, des zones où est-ce que il y a des ronces que la peinture n'a pas collé, comme ou à d'autres endroits, c'est plus foncé parce que j'y ai appliqué deux fois. Vous allez moins voir ça si vous y allez au pinceau puis qu'ensuite vous épongez le surplus. Mais ça, c'est un des inconvénients. Mais on joue un petit peu avec ça, justement, avec le mottling. C'est que ça donne quand même une espèce de mottling de base, si on veut. On va venir camoufler ça après avec un vrai mottling, puis avec d'autres couches de peinture, avec le blush et tout. Puis à la fin, ben, ça paraîtra plus vraiment, là. On va avoir quand même un teint assez uni. C'est sûr que pour les gros bébés comme ça, c'est un petit peu plus embêtant parce qu'on ne fait pas justement beaucoup de mottling. Mais ça paraîtra pas trop. Donc voilà, j'ai mes trois couches de base de données. Je vais faire les sous-couches. Puis ensuite de ça, on va se revoir pour une prochaine partie. Dans la prochaine partie, ça sera surtout les veines. Puis on va commencer le mottling. Donc, ce que je vais commencer par le bleu. Là, mon bleu que j'ai utilisé tantôt, il est trop pâle pour faire les ombrages. Donc, je vais juste en prendre un petit peu que je vais mettre dans une petite palette comme ça. Ce que je vais faire, je vais juste rajouter une petite touche de peinture bleue, mon bleu petit. Juste rajouter un petit peu de peinture bleue pour le foncer un petit peu. Je vais vraiment, je tapote dans mon couvert, là. Je veux pas en mettre énormément parce que le bleu, ben, ça tache. Ça attache beaucoup. Je veux juste le foncer un petit peu. Je veux pas que ça soit trop non plus trop foncé. Je vais en rajouter un peu parce que je suis pas sûre que je vais en avoir assez. Comme c'est un enfant plus vieux, plus de peau, la peau est plus épaisse, donc c'est sûr que les sous-couches vont peut-être... Il faut que ça soit un petit peu moins visible que sur un nouveau-né. Il y en a quand même. Si vous regardez votre peau vous-même, vous allez voir des zones où c'est plus bleuté, là. Il y a quand même des sous-teintes, mais peut-être moins marqué que pour un nouveau-né. Mais ils sont au même endroit, c'est-à-dire au-dessus des sourcils, ici. Je viens faire un espèce de petit triangle ici devant l'oreille, où est-ce que c'est un petit peu plus creux sur la tempe. J'ai oublié de me prendre une autre éponge. C'est d'y aller avec celle-là. Mon bleu n'est pas assez foncé, ça paraît pas assez. Je vais me rajouter un petit peu de bleu. Moi, je suis une personne qui aime beaucoup la couleur. J'ai tendance à utiliser beaucoup de couleurs sur mes poupées. Elles sont pas très uniformes, elles sont pas très pâles. J'aime ça un bébé très coloré. Il y en a qui aiment moins ça, qui préfèrent les tons plus doux, là. Fait que c'est vraiment au goût. Je vais me prendre une nouvelle éponge parce que ça, c'est complètement détrempé, celle-là. Donc, je vais y aller au-dessus du sourcil ici. Petit triangle. Je viens l'estomper. Je veux pas avoir des bords qui paraissent. Je vais l'estomper du mieux que je peux.
Je fais la même chose à l'autre souci. Je pense que mon pinceau est un petit peu trop gros pour ça. Prendre un pinceau, une petite affaire. Ici, moi, j'en ai un petit peu plus étroit. Donc, ensuite, on va faire le dessus du nez, puis le coin des yeux. Vous pouvez aussi utiliser un autre petit pinceau pour estomper si... L'éponge est trop grosse, vous avez de la difficulté là. On va faire le coin des narines ici en descendant un petit peu sur l'intérieur de la bouche ici. Ça, c'est une étape qui va vraiment ajouter beaucoup, beaucoup au réalisme, à l'aspect transparence de la peau, 3D aussi. Donc, c'est une étape qui est quand même importante. Ensuite, on va en mettre un petit peu au coin de la bouche. Moi, j'en mets un petit peu ici sous le menton. Assurez-vous de bien estomper pour pas qu'il paraisse de marque de pinceau. Ce qu'on peut faire, on peut en mettre un petit peu ici dans le creux du menton. Partout dans le fond, où est-ce que la peau est moins épaisse, on peut aller mettre un petit peu de bleu. Que généralement on en met aux zones que j'ai mentionnées, mais parfois on peut en mettre ailleurs où est-ce qu'on sent que la peau est plus mince, comme derrière l'oreille ici. J'ai un petit creux, je vais aller m'en mettre un petit peu là. On peut en mettre un petit peu à l'intérieur de l'oreille aussi, où est-ce qu'on a le croquant là. Le cartilage. Côté. On peut en profiter pour faire aussi à l'intérieur des narines puis des oreilles dans le trou de l'oreille puis des narines parce que ça va être vraiment plus foncé dans ces endroits-là. Il va falloir utiliser beaucoup, beaucoup de couleurs. Donc, chaque fois qu'on ajoute une couleur, on va en mettre un peu dans le fond. Qu'on essaie de ne pas déborder, mais c'est pas dramatique, là, si ça arrive non plus. Pour ce qui est des mains et des pieds, la main, on en met à l'intérieur un petit peu. Faut pas que ça soit trop étendu ni trop foncé parce que c'est pas. On veut pas faire une main bleue d'un enfant qui manque d'oxygène, non? On veut juste souligner un petit peu la peau plus mince à cet endroit-là, simplement. Donc ça n'a pas besoin d'être beaucoup. Là. Vous voyez, ça paraît pas tant que ça. Là. Des fois, moi j'en mets un petit peu sur le poignet ici, un petit peu à l'avant-bras. Dans ce cas-ci, j'en mets pas beaucoup parce que ma petite mamzelle est assez dodue. Elle a pas la peau nécessairement très mince. Je vais en mettre dans le creux du coude ici, un petit peu. Je
je vais y aller avec le pinceau vu que. Donc, on peut en mettre ici un petit peu à l'intérieur. Hein. Alors, j'ai des poils aujourd'hui, il y a des poils. Je pense que depuis que j'ai mis le chauffage, là, j'ai un petit peu plus de misère avec les petits poils là, qui viennent se coller. Donc, on peut en mettre un petit peu là, dans le creux du bras ici aussi. Là. Comme j'ai dit, là, je vous le montre parce que les bébés sont pas tout pareils. J'aurais pu ne pas en mettre dans le cas de Mademoiselle June parce que comme elle est bien, bien dodue, elle a pas la peau très, très mince déjà en partant. On fait pareil avec l'autre bras. Ensuite, pour ce qui est du pied. On vient en mettre au centre du pied, juste ici. Là, encore une fois, où est-ce que la peau est plus mince, c'est plus creux, ça vient faire un effet de transparence de peau qui est plus intéressant. Le but encore là, c'est pas d'avoir un pied bleu, là, hein? Qu'on y va doucement. On peut en mettre dans le creux du talon ici. Des poils. On peut en mettre sur le côté si vous voulez. Généralement, je vais en mettre en arrière du talon. Là, dans ce cas-ci, elle est tellement. Un gros repli de peau, enfin, j'en mettrai pas. Je vais en mettre sur le côté du pied. Ici, puis un petit peu sur le bord là. Parfois, pour les nouveau-nés, ce que je vais faire aussi, je vais faire le dessus du pied. Le dessus de la main, puis le dessus du pied avec le bleu. Le dessus du pied ici, puis le dessus de la main. Dans ce cas-là, encore une fois, c'est une petite fille qui a quand même assez épais de peau, là, fait que je vais pas en mettre pour rien. On peut en mettre dans le creux du genou, sur le coin, comme pour le bras. Là, je ne vais pas en mettre dans le repli cette fois-là. On peut en mettre ici à l'intérieur de la cuisse. Si vous avez les membres trois quarts, ben, naturellement, vous faites pour un creux de la cuisse, hein, il n'y en a pas. On fait pareil avec l'autre bras et l'autre jambe. Une fois qu'on a terminé avec notre bleu, on va faire les sous-couches de peau avec le jaune. Je vais essuyer ma palette. Ça sale vite un espace de travail. Donc, je vais faire la même chose avec le jaune. Je vais réutiliser mon jaune A. Comme je dis, je peux prendre aussi du jaune. En fait, je pourrais mélanger les deux, tu sais. Une petite touche de mon jaune primaire avec mon jaune A. Pas beaucoup parce que le jaune tache encore plus que le bleu. C'est assez incroyable comment que ça peut marquer le vinyle. Ça n'en prend pas beaucoup, puis on a déjà un jaune qui est taché, là. Puis c'est dur à recouvrir, le jaune. Le bleu, on peut réussir à le recouvrir un peu, mais le jaune, ça paraît au travers de toutes les couches de peinture, ça paraît. Donc, c'est le même principe pour le jaune. On va en mettre aussi à des endroits où la peau est très mince. Où est-ce que la lumière va accrocher? Moi, j'en mets sur. Je sais pas, là, j'ai mes peaux dans le chemin. Attends un petit peu. J'en mets sur le dessus du sourcil ici.
juste au-dessus de l'os. C'est un beau petit clown. On vient estomper. Comme je vous dis, ne mettez-en pas trop, trop flashant parce que ça va paraître, ça va être difficile. J'en mets sur le dessus du nez, le bout du nez. Il fait un petit nez de clown. Si vous trouvez que ça ne paraît pas du tout là, à la fin, là, vous pourrez toujours revenir et en rajouter. Hein? C'est pas interdit. Je vais en mettre à l'intérieur des joues, mais vers la bosse de la joue. L'autre côté de mon bleu, finalement. Finalement, je vais en mettre sur le dessus du menton. Comme ça. J'en mets pas ailleurs. J'en mets pas sur les bras, les jambes. Je pourrais, à la limite, en mettre, par exemple, sur les coudes. Mais j'en mets pas parce qu'on va blocher ces endroits-là de toute façon. Ça paraîtra pas tellement. Donc, c'est ça pour l'instant. On a terminé les trois premières couches de la teinte de base. Puis, on a fait les... je vais essayer de prendre avec ma lumière, peut-être... Je ne sais pas si vous voyez un petit peu mieux, là, la lumière moins direct dessus. Donc, on a fait les trois premières couches de base, puis les sous-couches, les teintes sous la peau. Donc, pour la prochaine partie, on va rentrer dans les veines, puis dans le modeling. Donc, je vous remercie d'avoir regardé mon vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like, puis vous abonner à ma chaîne. On se revoit bientôt. Merci. Bonne journée.